Et bonsoir, messieurs Jolla, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Rodriguez, je suis très bien. Et vous? Et parfait, je suis parfait, merci. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire votre entretien. Et alors, commençons. Commençons. Et parlez-moi de vous, s'il vous plaît. Parfait. Bien sûr, je m'appelle Sergio. J'ai fait des études de langue moderne à l'université. Merci. J'aime le football, les jeux vidéo, et je me suis toujours considéré comme une personne proactive qui recherche toujours le meilleur pour l'entreprise. Et je pense que je suis une personne responsable de vous ou au travail et désireuse pour apprendre. Ah, parfait, très intéressant, messieurs. Et dans notre entreprise, nous avons plusieurs des travailleurs de l'université ici. Est-ce vrai? Et oui, c'est vrai. Parfait. Bien, pour C'est très continuer, intéressant, oui. pourquoi voulez-vous ce poste exactement? Bien sûr, je crois que ce poste sera une excellente opportunité pour progresser dans ma carrière et pour acquérir plus d'expérience professionnelle et aussi pour améliorer mes compétences linguistiques et de communication supplémentaire, qui est une bonne occasion pour moi de continuer à améliorer aussi mon leadership. Oui. Bien sûr, et je pense qu'ici, vous aurez l'opportunité de grandir Oui. et développer vos compétences. C'est vrai. Oui. Bien. Et maintenant, avez-vous de l'expérience dans ces domaines? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. J'ai travaillé dans le secteur des centres d'appel depuis environ 3 ans, où j'ai joué le rôle d'agent et de coordinateur d'équipe. J'ai travaillé à concentrer pour un an et j'ai travaillé à Sutherland pour 12 ans. Ah, très intéressant, Oui. monsieur. Et maintenant, je voudrais savoir quelle langue parlez-vous? D'accord. Je suis en train d'étudier l'allemand et le français. Je pense qu'à ce moment, j'ai un niveau intermédiaire en français. Et à l'allemand, je pense que j'ai un niveau basique. Je pense que il y a beaucoup de choses que je pouvais améliorer à l'allemand, spécialement le vocabulaire. Concernant l'anglais, je pense que j'ai un niveau avancé et il y a aussi l'espagnol qui est ma langue mère. Et je suis en train de Oh, je veux apprendre ou étudier le portugais. Très bien. Parce que je pense que vous parlez beaucoup de langues, c'est bien. C'est vrai. Bien, monsieur. Et bien, maintenant, je voudrais savoir pourquoi pensez-vous que nous devrions vous embaucher? Je pense que principalement pour mes compétences et mon aptitude à parler plusieurs langues, en outre, je pense que j'ai pu être un atout très important pour votre entreprise grâce à mon expérience antérieure et à mon désir de commencer à travailler avec vous. Oh, bien. Et merci à Jolla. Finalement, je voudrais savoir si avez-vous des questions sur quelque chose. Oui, je pense que oui. Oui. Quelles seront mes priorités et mes responsabilités dans le travail?
Et bien, en général, je pense que vous devez diriger des équipes de travail et aussi vous devez occuper de l'évolution des travailleurs. Et en général, c'est ça. D'accord. Parfait, je pense que ces fonctions sont bonnes et je correspondent au profil professionnel. Et mon opinion. Ah, Oui. parfait, très bien. Et nous examinerons votre CV et nous vous communiquerons notre décision. Parfait, merci beaucoup pour votre temps et pour votre opportunité. Et je serai attentif à votre appel. D'accord? Parfait. Au revoir, monsieur Ajala. Au revoir, M. Rodriguez. Merci pour tout. Bien.